Un responsable, quelque chose comme ça, pour quelqu'un avec qui on peut parler, qui ouais, porte super. Responsable, voilà. Combien de temps vous voulez rester? Qu'est-ce que vous comptez faire de aujourd'hui? Du coup, on va jusqu'à midi. Midi, ouais. Voilà. Après, du coup, on n'a pas de contact avec les gens qui sont dans la grue. D'accord. C'est un autre groupe, ça. Ouais. Ouais. Et on n'a pas de contact avec eux. Et voilà, c'est un peu ça, je sais pas. J'ai pas de contact. Et vous comptez faire quoi? Là, occuper le chantier. Le chantier, il travaille ce matin. Quoi. Vous empêchez pas le chantier de travailler? Si, si. C'est ça, si. Vous voulez les empêcher de travailler? Ouais. D'accord. Et donc jusqu'à midi, vous faites ça. Vous avez d'autres banderoles que vous allez afficher ou pas? Non. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoutez, on reviendra peut-être prendre contact si on nous demande, voilà. Okay. Bonne journée à vous. Non, vous aviez la banderole, c'est ça? Non, moi j'avais pas au chocolat pour les ouvriers. Ouais. Vous pouvez regarder. Non, monsieur. D'ailleurs, si vous voulez des... Il y a une personne qui a un gros sac, chocolat ou des et sinon les autres porteurs sont porteurs de sacs à dos, mais rien de particulier. On n'a pas à volonté, on est pacifiste, on n'a pas à volonté de... Ouais, plus ou moins. Bon, ils sont prêts à l'ouvrir apparemment. Ouais. Et donc ils nous informent qu'ils ont des intentions pacifiques. Hein. Ils ne veulent pas d'affrontement. On a un dialogue. Bah après, c'est pareil, hein. Nous, il n'y a pas d'animosité. Après, si on a un dialogue courtois, c'est plus agréable. Il n'y a pas de raison. Nous, on nous demande de venir prendre des informations, après voilà, on les prend, puis c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Non, c'est agréable, ouais, de faire un...
transmettez. Généralement, on est à l'image des gens. Hein. Les gens sont corrects, on est corrects. Un peu plus de 20. Ouais, comptez une vingtaine de personnes. Et en négatif, hein, ils sont à l'intérieur du chantier. Il y a une partie du groupe qui bloque l'accès au chantier. Une autre partie sur les autres. On ne bloque pas, on l'occupe. Ouais. Vous voyez, instruction de quitter les lieux. Bon, on repassera peut-être s'il reste des pains au chocolat. Sur le chantier vers 6h30, 7h, 6h30 plutôt. Du coup, on a occupé le chantier. Il y a des gens qui sont dans la grue, du coup, et qui ont posé une banderole, non, à l'aéroport. Voilà, les ouvriers ont dû se pointer vers 7h, les premiers. Voilà, on a eu un échange assez cool avec eux. On a même pu discuter pas mal avec certains. Enfin, là, on discute encore même avec certains. Vous avez apporté du café, des petits pains. On a apporté du coup le petit déjeuner et tout. On voulait faire une action qui soit assez pacifique et quand même assez je sais plus le terme. Enfin qui ait un peu de force quoi. Donc voilà. Aussi aller à la rencontre des ouvriers. Vers 8-9h, il y a une fourgonnette de policiers qui sont passés, qui nous ont demandé en fait qu'est-ce qu'on faisait, machin. On leur a répondu. Là, il y a l'huissier qui vient d'arriver. Voilà, sinon ça se passe assez bien, c'est cool, bon enfant, même avec les flics, c'était assez bon enfant. Il n'y a pas de dégradation sur le chantier. De toute manière, nous, le mot d'ordre, c'est justement qu'il n'y ait pas de dégradation, que ça se passe vraiment bien. Enfin, on a juste envie de dire qu'on n'est pas d'accord avec cet aéroport pour toutes les raisons habituelles. Et en fait, on veut pas être taxé d'anarcho autonome ultra mon cul, comme le fait le gouvernement. En disant qu'on est violent, machin, alors que sur la ZAD, les flics se blessent quasiment tous tout seuls. Voilà. Le repas prévu à Notre-Dame-des-Landes ne répond pas aux réels besoins de la population. Concrètement, des personnes agricultrices et ou habitants sont chassés de chez elles, des terres agricoles sont sacrifiées. Des espaces naturels sont massacrés. Depuis le 16 octobre, des personnes qui défendent sur place la zone menacée par ce projet font face à une opération d'expulsion. L'État mobilise chaque journée 500 gendarmes et CRS pour détruire des habitations. Et noyés sous le gaz lacrymogène. Ils tirent aussi le flashball sur les habitants. Habitante. Qui résiste et ravage des potagers. Contre l'aéroport et le bétonnage. Mais criez. Depuis le temps. Merci. Vous vous opposez pas physiquement, merci. Vous êtes pas chez vous. Vous pouvez rejoindre les autres s'il vous plaît, merci, vous n'avez pas resté là. Interview, et si vous voulez demander, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau de la communication chez nous que ça se passe. Non, vous n'avez pas le droit d'interdire. Vous n'avez pas le droit d'interdire à quelqu'un de parler. On n'a pas le droit d'interdire. Il n'y a pas d'interview à donner à la presse. Ça, par contre, c'est des consignes de chez nous. Ils ont le droit de s'exprimer avec nous, il n'y a pas de souci.
mais il n'y a pas, d'interview à donner. De quoi, franchement. Vous avez vous interdisez de parler. Bah, je vais le dire. Hein, ah bah s'ils en ont marre et qu'ils préféraient aller travailler, ça je veux bien. C'est ce qu'on leur fait. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interview à donner. C'est, non, c'est au niveau de la communication et de la direction nantaise qu'il faut s'adresser. Monsieur est libre. Monsieur est parfaitement libre. Elle te pose pas physiquement avec moi. Te pose pas physiquement avec moi parce que ça va mal se passer. Vous empêchez les journées de bosser. Je te le dis tout de suite. Allez-y. Au contraire. Vous arrêtez. Hein ? Il n'y a pas d'interview. Les gens, ils n'ont pas à s'exprimer au nom des salariés de France. Ils ne s'expriment pas au nom des salariés. C'est grave, ça. Ça va empêcher Vinci de vivre. Vous le savez. Vous le savez. Non, mais je me demande de quel droit vous pouvez faire ça, quoi. C'est incroyable. On est munis. Hein ? Non, mais c'est fou. C'est fou. Bon, c'est après, et après, vous avez été premier à lire la presse. Vous n'avez pas interviewé. Chez nous, c'est comme ça. Si on doit communiquer. Vous êtes le responsable du chantier. Je suis directeur de travaux. Un directeur de travaux. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vous avez pu travailler ce matin? Je n'interviewe pas. C'est bien clair ce que je vous dis. Et pour quelle raison vous ne voulez pas parler? Si vous souhaitez avoir des infos au niveau de chez nous, vous appelez la com à Nantes. Ouais. Ah, le monsieur, la com à Nantes, il n'était pas là ce matin. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de plus que vous, vous savez déjà? Donc c'est la com de Nantes qui va nous expliquer ce qui s'est passé là alors que vous vous y étiez. Vous n'avez rien à faire là. Vous considérez qu'un journaliste n'a rien à faire ici aujourd'hui? Est-ce que vous considérez ça, monsieur? Ben moi, je considère qu'on... Pour l'instant, on en souhaite à travailler qu'on peut pas. Vous écoutez la radio, vous avez accès aux médias et vous considérez que les journalistes n'ont rien à faire aujourd'hui sur le site. Avec ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent à titre, je vous demande ça à titre individuel, hein. Vous trouvez ça cohérent? Moi je sais pas, mais... Ah vous savez pas, moi je sais, j'essaye de faire mon métier comme vous, vous essayez de faire le vôtre. Voilà. Là, monsieur, je sais pas, essayez la Corée du Nord. Nous allons sortir de la douleur. Nous sortons pacifiquement.